OK! On vient d'arriver tout juste à Granville. Granville? Granville Island. Granville Island, ça se dit super. C'est pas graine, mais c'est grande. Mais d'après moi, en anglais, c'est... C'est écrit G-R-A-I-N ou G-R-A-N? G-R-A-N. Oh, OK. Grand. Granville Island. Non, pas Highland. Island. Island. Whatever. On est là. On est Fanny et Valérie. C'est nous, les Julies. Ensemble, on s'est amené dans une van. On a quitté la ville. On est parti à l'aventure. Granville. On est là. Puis c'est vraiment nice. Là, c'est vraiment nice parce qu'il faut vraiment comprendre, c'est une île qui se trouve à Vancouver. Puis, il y a plein de petits commerces, de petits artisans locaux, de micro-brasseries. C'est une petite île qui se fait, oui, qui peut se faire en voiture, mais qui est vraiment faite pour se déplacer à pied puis de pouvoir vraiment profiter de tout ce qu'il y a sur place. Il y a des artisans de rue un peu partout aussi, là. Des musiciens, des chanteurs, des artistes. Puis ils se déplacent là, comme d'un poste à l'autre sur l'île. C'est vraiment cool. Fait que là, tu marches, puis là, tu vois comme un chanteur avec son béret, sa baguette en dessous du bras, qui chante « La bohème ». Après ça, t'en vois un autre qui joue du piano. Et peu importe où est-ce que tu te trouves sur la petite île, il y a toujours possibilité de quasiment avoir comme un show live. C'est entouré de bateaux, mais c'est vraiment le fun à voir. Les couleurs ici sont vraiment comme... Tout est différentes couleurs, c'est punché, c'est éclatant. Il y a une ambiance un peu de ville, mais je ne saurais pas comment la décrire. Finalement, c'est une presqu'île qui est vraiment axée sur l'art, la culture, la diversité. C'est Granville. Ouais. Mais c'est aussi ça la vie en van. Bon déjeuner, pareil. Quand même. C'est la fin de Granville Island. À un moment donné, toute bonne chose a une fin. Exactement. Faites comme nous. Suivez-nous. OK, je vais. C'est pas un chapeau. C'est mon nouveau chapeau.